Comme tous les ans, le château de Ferrette s'est offert une petite cure de jouvence, administrée par l'association CHAM, les chantiers d'histoire et d'architecture médiévale. Durant tout le mois d'août, 15 jeunes venus de toute la France ont consacré leurs vacances à la sauvegarde du patrimoine. L'an dernier, les jeunes avaient concentré leurs efforts pour remettre en état le petit muret qui longe le chemin d'accès au château. Cette fois, le chantier s'est axé sur deux sites. Il y avait tout d'abord un mur en pierre sèche, situé en contrebas du château, juste en face de la mairie, et qui s'était partiellement écroulé durant l'hiver. Pendant une quinzaine de jours, les jeunes ont démonté le mur pour le reconstruire selon les techniques traditionnelles, par simple assemblage et calage, sans mortier ni chaux. Tu vois là, elle bouge pas. Donc on va remettre l'autre par-dessus, et puis c'est bon. Une technique qui demande patience et précision, mais il paraît que le coup de main s'attrape rapidement. Alors, la particularité des pierres sèches, c'est vrai que pour les jeunes, c'est un travail plutôt sympathique parce que je dirais qu'en 2-3 heures, les techniques commencent à être bien comprises par tout le monde, quoi. Donc après, on prend plutôt du plaisir à faire ces genres de travail. L'agitation est d'un tout autre calibre lorsque l'on franchit l'arche du château. Suivant les conseils de Pascal Gallet, le chef du chantier, les jeunes ont monté un échafaudage le long d'un grand mur qui devenait de plus en plus fragile au fil des ans. Il a d'abord fallu enlever la végétation de la paroi, puis renforcer le mur à l'aide de nouvelles pierres. Moi, c'est Alicia. Tu mets la main, on te passe les cales, tu mets toi-même les cales. Ouais. Voilà, super. Un travail de longue haleine réalisé par des jeunes bénévoles qui se sont consacrés à leur tâche 6 jours sur 7. Pourquoi tu as envie de passer le mois d'août à restaurer un château ? Voilà, là, ça c'est une question pertinente. Moi, c'est ma troisième année dans ce genre de travail, chantier rénover comme des monuments importants de la France, à l'occurrence le château. Le jeune est mal vu aujourd'hui, mais c'est une façon aussi de passer commander des bons séjours, de rencontrer plein de monde, le paysage, et puis s'éloigner un peu de la ville et apprendre quelque chose de très important. Surtout comment faire maçonner, tailler les pierres, donner une nouvelle vie encore au château. Donc ça m'intéresse beaucoup parce que les jeunes que j'ai à faire, franchement, c'est des bons jeunes. Et puis l'environnement me plaît beaucoup. Et tout se passe très bien pour l'instant. C'est des jeunes que tu connaissais pas avant de venir. Oui. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe l'intégration, la vie en commun? Les jeunes, je ne les connaissais pas avant, mais là, on a passé une semaine ensemble, deux semaines, tout se commence à bien aller. L'intégration se passe très bien parce que je les amène, non seulement moi je suis animateur, je les amène dans un bain d'ambiance, il y a l'ambiance. C'est pas seulement le travail, c'est pas seulement comment dire, remonter les pierres, les mortiers. On fait des sorties, comme la semaine dernière, on est parti visiter Augsbourg, le château. On est parti visiter la cathédrale de Strasbourg.
L'autre fois, on est parti le jeudi dernier, on est parti en Suisse pour faire un mini-golf. Donc, on fait des activités hors du chantier. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que j'aime bien la jeunesse, j'aime bien les jeunes, j'aime bien m'investir dans ce sens et les motiver de plus pour qu'ils s'investissent aussi. Et d'autres jeunes qui m'entendent, là où je parle à l'instant, qui viennent aussi s'investir. C'est très important qu'ils restent à la maison, les jeux vidéo ou bien faire à la plage. C'est très important de rénover le monument historique comme ça. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Tu reviendras l'année prochaine alors sûrement? Sûrement je reviendrai parce que Cham, c'est ma vocation. Tous ensemble nous pouvons comment relever le défi. Je reviendrai sûrement, c'est sûr. Car c'est aussi ça, un chantier Cham. Durant tout le mois d'août, les jeunes ont été hébergés au centre Don Bosco, à quelques centaines de mètres du château, et ont vécu une expérience humaine qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. L'été prochain, la commune de Ferrette pourrait à nouveau faire appel à l'association qui œuvre pour la sauvegarde des édifices médiévaux, et ainsi permettre à d'autres jeunes de préserver l'éternelle jeunesse du château, fier symbole de la cité des contes.